Quel est votre métier ? Alors, le titre officiel, c'est assistante d'enseignement artistique. Ça, c'est le titre officiel. Après, ça veut dire que j'enseigne la musique. Depuis combien de temps l'exercez-vous ? Très difficile. Au moins 40 ans. Mais avec plein de formes différentes. Que faites-vous au collège ? Alors, je fais partie des enseignants du dispositif Orchestre à l'école. Depuis combien de temps existe l'Orchestre Junior ? Ça fait 3 ans. Qui a eu l'idée de créer l'Orchestre Junior ? Alors, c'est un partenariat, donc c'est une idée de plusieurs personnes, et le principal du collège, bien sûr, mais piloté par M. Lemoine, le professeur de musique, et aussi une demande de l'Espérance Mariaise. Combien d'heures les jeunes pratiquent l'orchestre junior ? Alors l'orchestre c'est 1 heure par semaine et l'instrument également 1 heure par semaine. À quoi sert l'orchestre junior ? Ah, à quoi sert l'orchestre junior ? Et à pratiquer la musique, à apprendre à jouer d'un instrument de musique alors qu'on n'avait pas forcément eu l'idée d'en faire, à partager avec d'autres. Sous forme d'un orchestre, ça oblige à s'écouter, ça oblige à faire attention, à se concentrer, voilà, et à apprendre une technique. Et puis un art aussi qui est la musique. Quels sont les styles d'instruments à l'orchestre junior ? Alors l'instrument à l'orchestre junior, c'est des instruments de l'orchestre d'harmonie, c'est-à-dire des instruments à vent plus la batterie. Est-ce que les cours d'instruments de la semaine font partie de l'orchestre junior ? Alors oui, bien sûr, parce que si on ne peut pas prendre de cours d'instrument, c'est difficile de jouer de son instrument pendant l'orchestre. Voilà, donc c'est pour apprendre la technique de l'instrument. Que faites-vous à l'orchestre junior ? Je suis le chef d'orchestre, celui qui anime l'heure d'orchestre.